Alors, on prend la classe, on revient ici là, on va tout simplement le mettre là et on va ouvrir et rapidement le faire rapidement. Alors là, on vient directement là à 85%, c'est fait. On tape directement padding et puis là on a à 10 pixels, on a à 30 pixels. C'est fait. Après ça, on a directement un curseur. Voilà. Après ça, il nous reste directement à faire quoi? Display. Display block. Parfait. Après ça, on a un margin auto. Auto. Après celui-là, on va directement retourner quelque part où on a déjà bossé. Voilà. Et tout ce qui va avec ce tralala, on va le trouver ici. On va copier tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. On va le mettre là-bas. Voilà. Après ça, on va aller directement en bas. On va à 0. On va directement à non. Ça, mes amis, on peut directement regarder qu'est-ce que ça va donner. Voilà, ça donne comme ça. Voilà, c'est bien, c'est bien. Vous commencez directement à voir la chose. Voilà, c'est fait, c'est fait. Après, on va directement tout simplement retourner ici. On a utilisé ce qu'on appelle ici là quoi. Si vous regardez très bien ici, vous voyez bel et bien dans notre code, on a utilisé quelque chose selon laquelle on ne l'a pas encore utilisé là-bas, non. C'est le span. On a mis un span quelque part là. Span, 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 span. Alors. Voilà, si vous regardez ici, il y en a un span là, 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 là. On a un span ici, on l'avait utilisé. Il n'y a pas de quoi là-dedans, on doit l'utiliser à nouveau. Là, on va descendre ici, on va coller span là et on ouvre. Et tout simplement, on va colorer quoi. Alors. 1, 2, 3. C'est fait. On va descendre directement. Voilà. On a 12. 7. Parfait. Après span, on a enregistré. Bon, 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 on a d'autres choses directement à balancer. On a d'autres choses directement à balancer et on va le balancer. Bon, au moment que on a tout fait ça, si vous regardez très bien, on a
deux travaillent là-bas, le premier et le deuxième. Du coup, on doit directement, tout simplement, copier ici-là tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là où ça se trouve, on va faire un copie et on va faire un coller ici. Alors, il faut que vous regardiez très bien le travail là où ça commence jusqu'à la fin. On a fait le copie et le coller là-dedans. Et là, du coup, on a terminé sur le premier. Le deuxième, on doit en avoir une adresse email. Du coup, il y en a une adresse email. Après l'adresse email, il n'y a pas quelque chose de diabolique là-dedans. Du coup, on va copier le premier rang comme ça, là, jusqu'à la fin, là. On va faire un copie. Et on va tout simplement le coller ici en bas. Tu mets votre ID, mais aussi tu mets votre email. Voilà, ici là. Voilà, parfait. On a mis email ID. Oui, email ID, on l'a ajouté. Alors, là, si on a enregistré, on peut constater que il y en a deux tableaux qui s'insèrent directement ici. Alors ce fameux deux tableaux là, on peut directement aller voir comment régler tout ça en détail. Voilà, au moment que on a les deux tableaux, on revient directement ici. Si vous regardez ici, on a commencé par un premier forme et un deuxième. Le premier forme, il est là. Voilà, le premier forme, il est là. Ici, on va mettre directement un ID. Et le deuxième forme, on va mettre aussi un ID. Alors, ici, on va faire un petit espace. On va mettre directement un ID. Ici, là, c'est login. Deuxième qui est ici là, parce que là même on va changer aussi ça. Le deuxième qui est là, c'est registre. On va mettre notre ID ici. Parfait. Alors si on regarde bel et bien tout ce qu'on a à faire jusqu'à présent, il suffit directement de modifier là où on doit directement modifier. Et si vous regardez très bien ici, là, c'est registre. Voilà, c'est fait. Alors, dès que celui-là est écrit, celle qui est ici, là, où on doit faire ceci, cela, on va directement, tout simplement, les remplacer et de dire à ce monsieur de écrire. Qui va lui permettre directement d'y accéder. Après ça, au moment qu'on a mis tous les ID et les classes là, on va copier le premier. On va copier le premier et on va l'amener directement ici. On va mettre le dièse et on va le coller. On ouvre directement et on ajoute tout ce qui va avec. Alors, au moment que c'est fait, on va juste limiter, on va décaler les deux formulaires et on va mettre le left ici et on met directement 50px, celle qui doit être là-dedans. Et après, on doit directement retourner l'autre côté de la Pyrénée et on va prendre directement le registre, il est là. On retourne ici et on va descendre en bas ici, là on met un point, on
on le ajoute.